Toi le Dieu fidèle, notre meilleur ami, Emmanuel. Emma, 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 Emma. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire.
ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait cette corne et ses yeux qui sont les yeux et de cet esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. On acclame le Seigneur dans un esprit d'adoration. C'est lui qui a ouvert les sept sceaux. Il a ouvert le livre. À lui soit la gloire. À lui soit l'adoration. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel. Encore Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Chantez Emmanuel. Chantez Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.